Bon, salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un petit peu particulière sur notamment la trompe de chasse, côté fabrication et côté aussi apprentissage. Comme il y a pas mal de gens qui me posent la question de savoir comment ils peuvent apprendre, où est-ce qu'ils peuvent apprendre, on va essayer de répondre avec Frédéric de chez Cornelius et puis Guillaume Volet qui est grand champion de trompe à vos nombreuses questions. Pour fabriquer ma branche d'embouchure, je pars de mon gabarit. Qui va me servir à tracer puis découper la branche d'embouchure. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour fabriquer cette flèche, on part d'une feuille de laiton qu'on va venir former sur le mandrin, qu'elle épouse au mieux la forme souhaitée de notre mandrin. Si on donne quelques coups de marteau pour rapprocher le métal, après sinon on le martyrise le moins possible. Alors que ce soit pour réparer, pour fabriquer l'instrument, on se sert souvent de ce qu'on appelle ces lissoirs pour former le métal. Là, on vient y faire des petites dents de loup pour qu'on puisse agrafer le métal. Pour monter la trompe, on soude à l'étain. Et pour la réalisation du tube, on brase à l'argent. On va rabattre le pizza. Chaque trompe qui est montée ici, toutes les trompes sont vérifiées à la cordeur. Au moment où on monte le dernier tube, qui est la branche d'embouchure, on vérifie la hauteur de l'instrument à la cordeur.
Alors du coup Frédéric, je commence avec toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la maison Cornelius et des trompes Cornelius d'une manière générale? Alors la maison Cornelius a été fondée en mai 99 par Gilbert Cornelius. Il a souhaité dès le départ fabriquer des trompes de chasse de qualité, faire de la trompe de chasse un véritable instrument de musique. Donc il a eu une approche dès le départ, une approche scientifique de l'instrument. En fait, il a fait faire une recherche à l'EPFL de Lausanne sur l'instrument. Pour réussir à trouver le bon timbre recherché par les instrumentistes. Et de par cette base, de par cette recherche, il a su et il a pu fabriquer des instruments, des trompes de chasse de qualité assez rapidement. Me concernant, je suis arrivé chez Gilbert Cornelius tout début des années 2000. J'ai ensuite pris la succession au 1er janvier 2009, voilà, dans la continuité de ce que Gilbert m'avait appris. De la recherche de qualité, d'un instrument de plus en plus précis avec un timbre qui correspond aussi à l'esprit de la trompe. Voilà. Essayer de trouver, toujours avoir des instruments avec une belle couleur de son, un beau son chaud, facile d'utilisation, précis, juste, et qui puisse correspondre aussi bien à la vénerie et aussi correspondre aux instrumentistes. Donc grosso modo, tu t'orientes à la fois sur quelqu'un qui débute sur la trompe par exemple, ou alors quelqu'un de confirmé qui sonne depuis des années? Oui, complètement. Après, quel que soit son niveau, il est toujours bien de venir essayer. En fait, le principe pour choisir une trompe qui convient est le même que ce soit pour du tout débutant au très confirmé ou au champion. C'est faire quelques notes, même pour un débutant. Faire la même chose dans différents types d'instruments, différents types d'embouchures. Et on ressent une différence de confort d'un instrument à un autre, d'une embouchure à un autre. Et dans le calme, ici à la tosoterie, j'arrive à trouver la trompe et l'instrument adapté au sonneur. Alors du coup, c'est vrai que moi, au travers des différentes chasses que je peux faire au fur et à mesure de la saison, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de sonneurs chasseurs à tir qui souhaitaient s'investir dans la trompe, apprendre à sonner, parce que voilà, ça embellit une belle journée de chasse, notamment le soir. Donc toi, qu'est-ce que tu conseillerais à ce genre de personnes pour s'équiper d'une trompe? Je suis également chasseur à tir depuis tout petit, comme mon père et mon grand-père. Je vois de plus en plus de clients qui, pour aller au bout des choses et pour pouvoir passer une belle journée et rester dans l'éthique, aiment apprendre à sonner. Notre modèle vieux chef correspond très bien aux débutants, ou aux chasseurs ou aux veneurs, puisqu'elle est un petit peu plus épaisse, un petit peu plus solide. Elle possède les mêmes facilités à sonner que nos trompes légères modèle ivoire. Elle a un petit peu plus de résistance pour permettre de sonner un petit peu plus facilement pour un débutant. Alors si quelqu'un veut venir te voir, il peut venir éventuellement te voir ici, comme là cette année avec le Covid, bon, les salons ça a été un petit peu coupé. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver du coup dans le centre de la France? C'est sûr que le meilleur choix c'est de pouvoir venir ici à l'atelier, afin que je puisse caler le sonneur sur l'instrument qui lui convient. On passe la journée ensemble, on prend tout le temps nécessaire, au calme, de choisir la trompe qui lui est, ou dans laquelle il est le plus confortable, et l'embouchure qui lui est adaptée. Très. Et pour ça, pour moi j'aime dire que le meilleur des discours, c'est l'essai. Quel que soit le niveau de la personne, il est bien de pouvoir essayer différentes embouchures ou différentes trompes. Et Guillaume, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, sur justement le choix d'une trompe, l'intérêt de choisir une trompe de qualité, avoir quelque chose sur le long terme avec lequel on puisse progresser et prendre du plaisir? L'avantage de ces instruments, c'est qu'ils vont pouvoir être suivis aussi avec la progression des sonneurs. Il va pouvoir vous faire démarrer avec un instrument avec une petite perce, donc beaucoup de retenue d'air. Au départ, on a du mal à souffler, on n'a pas la maîtrise encore de notre colonne d'air. Donc on est dans l'apprentissage, et du fait d'avoir une petite perte, donc beaucoup de retenue d'air, ça va nous accompagner pour nos débuts. Quand vous allez progresser, vous allez avoir besoin d'une plus grosse perte. Ça, la maison Cornelius, c'est les seuls à être capables de faire suivre la perte au sonneur. Vous allez faire un an ou deux avec votre petite perte. Vous revenez deux ans après, vous n'avez pas besoin de racheter une trompe. Il va vous réajuster la perte et faire suivre l'instrument. Après, nous, on bouge aussi physiquement. J'essaie d'être au maximum tout le temps. Oui. Et sans Fred et sans la maison Cornelius, que c'est obligatoire de faire une révision de l'instrument avant un championnat, deux, trois mois avant, même parfois trois semaines avant. Et je me laisse toujours guider par la maison Cornelius pour ça. Ça me fait pas peur qu'il touche à mon instrument trois semaines avant un championnat. Et ça paye sans problème. Une vraie force et un vrai plus, ça c'est clair. Voilà, d'avoir un instrument évolutif qui, même après 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, peut évoluer avec nous. Ça, je pense que c'est quand même un gage de qualité et de suivi. C'est un investissement au départ, et après cet investissement, il est sur du long terme. On n'est pas à commencer avec une trompe qui est peu chère, donc plus accessible. Ok, super, mais qui risque de nous faire arrêter l'instrument au bout de 4 mois en disant bah c'est trop dur. Et du coup, on abandonne. Donc on met les moyens au départ.
Cet instrument, de toute façon, il décote très peu. Il y a des modèles ivoire, je pense qu'ils perdent pas 30% de leur valeur au bout d'un an. Donc c'est pas grand chose, ça se revend bien. Mais si vous l'avez essayé et que vous commencez avec, vous arrêterez pas la tombe, donc la question ne se pose pas. Voilà, c'est ça. Mais voilà, et c'est important de commencer avec un bon instrument pour commencer avec toutes les facilités, dès le départ, voilà. Il est vrai que dans l'évolution de sa technique, c'est qu'il faut réajuster l'instrument au sonneur, par exemple, ou des petits jeunes qui viennent, qui peuvent avoir 10, 11 ans, 12 ans, 14 ans, 18 ans, ou même plus quand on commence. On peut réadapter au mieux l'instrument en redonnant de l'ouverture sur son instrument. Dans le cas contraire, même si le sonneur a besoin d'un petit peu plus de retenue, un petit peu plus d'appui, on rentre un peu dans la technique, hein, mais on arrive aussi depuis l'extérieur avec différentes piges à réadapter l'instrument au sonneur pour qu'il lui convienne toujours mieux. Alors on va aborder maintenant un petit peu plus le côté apprentissage de la trompe. C'est vrai que bon, moi j'ai commencé parce que j'avais des amis qui sonnaient, etc. Mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Toi Guillaume, t'as plusieurs solutions à apporter aux gens qui ne sont pas forcément sonneurs de base ou qui n'ont pas forcément une école à proximité de chez eux. Qu'est-ce que tu peux proposer? Alors aujourd'hui, quelque chose qui s'est vraiment développé du confinement, c'est les cours en visio que je pratique déjà depuis 5 ou 6 ans. Ça s'est ouvert sur toute la France et périphérie. Voilà, la solution elle est là, c'est du visio. Après, rien ne remplace un cours en réel, mais finalement, on arrive vraiment à faire du bon boulot et puis en essayant de se retrouver une fois tous les trimestres, une fois tous les semestres. Ça peut être aussi un complément sur le fait de répéter entre amis. Pour guider, c'est sympa de répéter avec des copains, trouver du monde autour avec qui sonner. C'est encourageant, c'est motivant, tire la bourre. Voilà. Et puis avoir quelqu'un d'extérieur qui nous fait un suivi, ça permet aussi de retransmettre. Voilà, faut pas partir n'importe où, faut pas faire les choses n'importe comment dans les débuts, c'est essentiel. La trompe, c'est sonore, ça porte, mais c'est pas pour ça qu'il faut être des bourrins. Il faut bourriner, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses techniques comme ça à essayer de capter. Et en fait, voilà, des enfants de 4 ou 5 ans peuvent déjà sonner. Donc bien sûr, il n'y aura pas la puissance de personnes de 20 ans, 30 ans et 50 ans. Mais techniquement, on peut déjà retrouver des justesses et puis reconnaître les morceaux, quoi. Donc aujourd'hui, n'importe qui peut commencer à sonner de la trompe, il n'y a pas besoin d'être musicien, d'avoir fait du solfège. Enfin, moi je vois mon cas, j'ai jamais fait de solfège et pourtant j'ai quand même réussi à progresser en quelques années. Quoi. Voilà, donc le solfège, c'est jamais obligé, hein, c'est n'importe quel instrument. Hein. Il y en a qui font de la guitare, du piano sans connaître le solfège. Maintenant, pour la majorité des cas, ça aide énormément à comprendre des choses, à comprendre les rythmes. À quel âge commencer? Il n'y a pas d'âge pour commencer. Ce qui est important, c'est d'avoir l'envie de commencer. Et pour garder cette envie et réussir, c'est d'être bien suivi, bien encadré. Voilà. Toi, où est-ce qu'on peut te retrouver, Guillaume, si on veut te contacter ou par exemple prendre des cours ou connaître un groupe qui est dans son secteur, etc. Voilà, j'ai ma chaîne YouTube également, avec Guillaume. Il y a le site internet, détrompez-vous.fr. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de souci. De toute façon, je mettrai les liens dans la description pour que vous puissiez retrouver à la fois les trompes de chez Frédéric et les cours de chez Guillaume pour pouvoir progresser. Et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui veulent démarrer dans la trompe. Il n'y a pas besoin d'être musicien, il n'y a pas besoin d'avoir une expérience de dingue dans la musique pour pouvoir démarrer la trompe de chasse. Je sais que personnellement, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des personnes déjà d'un âge avancé qui ont passé les 70 ans, qui sont venues m'acheter une trompe, qui ont commencé la trompe à passer 70 ans. Et où vraiment ils ont pu atteindre un niveau avec lequel ils se sont fait plaisir. C'est un instrument qui est ouvert à tous, simplement. Comme j'aime dire également, la chose qu'il faut avoir, sinon sans quoi on n'y arrive pas, c'est avoir envie. Et si on a envie de sonner, quel que soit l'âge, tout petit ou plus âgé. Ouais, c'est ça, tant qu'on a envie de le faire, il faut se donner les moyens, avoir un entraînement régulier. Un bon prof, c'est bien aussi, exactement. Des bonnes bases. Et c'est vrai que voilà, au fur et à mesure, il faut être un peu patient, mais les choses se mettent en place et on arrive, je pense, à prendre du plaisir et à avoir un niveau très très satisfaisant. Alors Frédéric, on peut te retrouver donc ici, pas loin de la Sologne, mais aussi les gens peuvent te contacter directement sur ton site. Oui, tout à fait, on a une boutique en ligne. On propose les différents types d'instruments, les différentes embouchures, les étuis, les embouts de nettoyage. Voilà, donc ça fait un premier, on va dire, une première approche et puis après ils te contactent pour la suite, éventuellement venir passer une journée ici. C'est vrai que comme là on a fait aujourd'hui, c'est par top. Mail, par mail ou par téléphone, voilà. Super, ok.
Bon bah voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des sujets qu'on voulait aborder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à contacter à la fois Frédéric pour les trompes ou Guillaume pour tout ce qui est cours. En tout cas, on a passé une super journée. Merci à vous deux, on a appris pas mal de choses, notamment sur la fabrication des trompes et sur un peu l'historique de la fabrication de ce bel instrument qui nous fait vibrer toute la saison. Merci à vous et puis je vous dis à une prochaine, à la fois soit sur le terrain de chasse ou en cours pour progresser tous ensemble. Voilà, alors la vidéo se termine, j'espère que vous avez aimé. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez rejoindre mon Facebook, mon Instagram, mon Snapchat. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi aller visiter le site rêvedechasse.com avec le contenu de toute la team. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt les amis, salut!